Je vais te poser 10 questions sur Dylan. Oh, ah, trop marrant. Hyper drôle. J'adore ce concept. Non, c'est le meilleur. 10 questions sur Dylan. On le fait revenir. On lui pose les mêmes questions. Et si vous avez 7 réponses communes, on considère que franchement, vous êtes amis pour la vie. Quoi. Sinon, que tout était faux dans l'histoire des Kids United. Tu sais l'horreur. Alors, allez-y les amis. Hey, c'est vous qui posez les questions, bien évidemment. Mais Dylan peut entendre ? Il n'entend rien du tout. Ah non. Pardon. Ah non, mais Dylan. Dylan, en fait, il écoutait, il était juste à côté, genre, ouais, vas-y, balance tes questions, ouais. J'en profite pour vous rappeler qu'avec Valentina, on fête la sortie le 11 octobre de la Super Patrouille. Le deuxième volet au cinéma de la Pat Patrouille avec Valène qui interprète, enfin qui prête sa voix à Liberty en France. Donc soyez au rendez-vous pour ça, c'est juste ouf, c'est le 11 octobre dans tous les cinémas de France. Ça c'est dit. 10 questions sur lui. Ok. T'es prêt? Ok. Ça ne concerne que lui. Hein. Ok. D'accord? Non, ça concerne toi. Ouais. Je vais te poser des questions sur toi. D'accord? Donc, quel est. Ah là, faut que j'arrive à noter les gars là. C'est où mes notes? Ok. Quelle est ta couleur préférée? Blanc. Ah, c'est pas une couleur. Hein. Tout sauf le blanc et le noir, le gris. Alors bleu. Le bleu. Bleu clair, bleu foncé, bleu marine. Ouais. Bleu clair plutôt shine ou bon ok je vais me calmer alors Valentina dédicace à Agathe, le fera tout à l'heure franchement à un moment donné je vais lui donner le l'ordi, elle va faire toutes les dédicaces, elle sera seule face à vous. Ton plat préféré? Les pâtes. Alors lesquelles? Pâtes au pesto. Je parle pas très fort comme ça. Il n'entend pas. On l'a mis sur le deuxième plateau là-bas. Laisse tomber, il peut rien entendre. Ouais, ça faisait bizarre. Pâte au pesto. Pâte au pesto. Je vais parler chinois. Tu vois, je voulais te faire un test ASMR, en fait, t'es en train de le faire. Ta chanson préférée d'Ariana Grande? Oh, ça c'est dur, ça c'est dur. Alors une autre. Ta chanson préférée, globalement, de ta vie, celle que t'aimais chanter. C'est plus large. Ça, attends. Ok, je change. Ta boisson préférée? Ah, j'hésite, le café quand même. Mais non, Valène. Tu sais. Mais je sais pas du tout. En plus, sous les commentaires, parce que je me rappelle que j'ai fait un. C'est vrai que ça me choque à chaque fois. On me voyait boire du café. J'ai dit, oui, voilà, là j'ai besoin de mon café. Mais c'était pour rigoler, j'avais pas besoin de mon café, juste j'avais envie de boire du café. Mais si, elle aime et le café. Et tous les gens dans les commentaires, ils ont dit, quoi, je bois du café à 14 ans. Ah, mais c'est ça. Bon, après, le café. Voilà. Après, c'est pas mauvais pour la santé. Enfin, moi, rassurez-vous, j'en abuse pas. Rassurez-vous, t'en c'est un café. Non, mais juste un café le matin parce que, enfin, le collège, je dirais pas, mais c'est éprouvant le collège. Donc, moi, j'ai besoin d'un peu d'énergie, quoi. Juste un, mais vraiment un seul. Ah, bah, Valène, j'avais oublié ce côté-là. Pour moi, tu restes avec ton petit thé, ton plaid et ta meilleure pote, quoi. Non, le café, c'est mauvais quand on prend 10-15 par jour. Ouais. Mais j'en prends un seul grand max. Ouais. Ton joueur de foot préféré? Oh, je suis tout seul. Ouais, t'es pas foot, quoi. Ton Disney préféré? Mon Disney préféré, Réponse. Oh, tu connais toutes les chansons de Réponse? Non. Allez, vas-y, s'il te plaît. Celle qui a fait le tour, non, sur TikTok, il y en avait une, j'adorais. Pas là. Du tout, les chansons. Ta pointure? Ma pointure? Là, en ce moment, je suis dans un entre-deux. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est 35-36. Bon, je mets 35-36, s'il répond déjà ça, c'est bien. Ça. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Ouais, c'est plus simple. Facile, hein. Vas-y. Bah ouais. Ça, il saura ça. Oui. Bah, le reste aussi. Ok. J'aimerais que tu dises à Valentina que j'aime trop ses singles et qu'elle est trop belle, vraiment. Merci. Miss TP, tu me dois une faveur toute ta vie. Ton film préféré? Mon film préféré, Coup de foudre à Notting Hill. Ah ouais? Mais parce non. Que j'aime ce film. Ah, j'adore. Avec Tom. Non, c'est pas Tom Hanks, c'est avec. Comment il s'appelle? C'est avec. So British, là. Hugh Grant. Il est trop beau dans le film, en plus, Hugh Grant. Coup de foudre. Ouais. Et c'est qui d'ailleurs en face? Julia Roberts. Ah ouais, non, mais il est ouf ce film. Ouais, incroyable. La marque de shampoing que tu utilises le plus? Ouais, non, je la base, celle-là, oublie. Ta taille? Non, elle dit pas sa taille. Non, secret défense. Voilà, secret défense international. Plus que vous pouvez imaginer, voilà ce que je peux dire, moi. Ton actrice préférée, non. Deux maîtres immobiliers, Peg Marie, je comprends pas. Ton livre préféré?
C'est dur, ça. Franchement, c'est... Jamais plus. Ouais, voilà. Jamais plus ? Jamais plus. Ça parle de quoi ? C'est une histoire hyper touchante. C'est une femme, et en fait, elle rencontre quelqu'un, mais cette personne, c'est une personne qui est mal intentionnée, parce qu'après, il va lever la main sur elle, et elle va vraiment, tu vois, avoir du mal à partir de la relation. Mais vraiment, le livre, il est trop émouvant. Ah ouais ? À ça de pleurer, carrément. Ah ouais, tu pleures devant le livre ? Ah, moi, je pleure devant les livres. Quand c'est trop émouvant... Purée, t'as pas pleuré quand il est arrivé ? Moi, j'étais sûr. Mais en fait, c'est parce que j'avais cramé... J'ai senti le parfum, j'ai compris, genre. Ah, tu savais ? Je savais. Purée, il aurait pas fallu qu'il mette de parfum. Je crois... Oh là, ça parle de ta taille, on s'en fiche. Ta marque préférée ? Ma marque préférée... On base... Zadig et Voltaire, j'aime bien. Ouais, mais on enlève, trop compliqué ça. Ok. Ouais, De quoi ? Le jour... Ton jour... Le jour préféré... Oh non. Ton plus gros malaise sur scène ? Malaise, petite honte et tout ça, sur les Kids United. Sur, scène, sur les Kids ? Ouais. Sur les Kids, je l'ai en plus. Parce Vas-y. Que je devais présenter le trio de Dylan, Gloria et Nathan sur une chanson. Et j'avais à chaque fois un petit pitch que j'avais appris et je le connaissais par cœur. Et sur toutes les dates, je devais les présenter. Et j'arrive ce jour-là sur scène, trou noir, mais trou noir. Je ne me rappelais plus de aucune phrase. T'as fait comment ? Et j'ai fait... En fait, j'ai eu un réflexe, je me suis tournée vers les musiciens comme s'ils connaissaient le texte. Et je me rappelle que Jérémy, ce jour-là, dans les oreilles, il m'avait dit « Oh, mais pense pas qu'ils connaissent le texte, hein, ils vont pas te le dire, ils ne le savent pas. » Et du coup, j'ai dit « Bon, faites du bruit pour Dylan, Gloria et Nathan. » Ouais, ah ouais, voilà. Et là, tout le monde a dû se dire « Mais qu'est-ce qu'elle mais fait, vraiment, les gars ?» Mais vraiment, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a craqué, quoi. Bon, ça, c'est le café. Hein. Ton sport préféré ? Si t'en as, si Oula, t'en as pas. Je suis vraiment nulle en sport. Ok, oublie. Il y a quand même marque de vêtements préférée qui revient. Alors je le mets. Hein. Allez, vêtements. Donc Zadig et Voltaire. J'aime bien. Après, enfin, je m'habille pas du tout. Ouais, non. Que chez Zadig et Voltaire, tu vois. Mais juste, bon, donne-en une juste, autre. C'est une marque que j'aime. Une autre marque. En ce moment, juste une obsession pour les hugs en hiver. Ah ouais. Les chaussures. Ouais, les chaussures. Ah ouais. Ouais, j'ai une obsession parce que j'adore aller en cours avec, parce qu'en fait j'ai l'impression d'aller en cours en chaussons. Donc j'aime ouais, c'est vrai que c'est assez confortable. C'est ma passion. T'es la meilleure et je vais faire The Voice Kids avec, j'imagine, Grivali Gaming. Ah, trop bien. C'est vrai. Et c'est, en plus, je voudrais trop que ça arrive, ce serait incroyable. Que quelqu'un chante ta chanson. Oui, sur... mon rêve. Mais Grivali Gaming, c'est sérieux ce que tu racontes ou pas ? Si c'est sérieux, franchement, ouais, c'est ça. J'attends de voir. T'es la meilleure, je vais faire... Attends, j'attends il avec même... impatience. Attends, on va voir s'il répond quoi. c'est quoi ton numéro préféré ? Mon numéro, on va dire ouais, 6, c'est le numéro de ma date de naissance. Ok, attends, j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une dernière. Ton animal préféré ? Les chiens. T'as un chien, toi ? Non. Pourquoi ? Je voudrais trop, mais mes parents, ils veulent pas. Mais elle est où ? Elle est pas là, là ? Elle est partie ? Ok, allez, on peut aller rechercher... Et tu voulais pas me dire les questions sur Dylan ? Ah non, c'est lui, maintenant, qui va devoir répondre sur toi. Ok. Je vais lui poser les mêmes questions, et on va voir s'il te connaît bien. Ok. Tu vois, donc, il fallait pas que ce soit non plus trop chaud, quoi. Salut, Valène. Hein. Non, mais tu restes, hein. Ah, je reste ? Ouais, ah, okay. C'est lui, il va rester en face, hein. J'étais... J'allais partir. Ouais, j'allais là, elle en avait marre. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là, c'était trop. Hein. J'ai cru que je devais fuir. Alors, je vais poser 12 questions sur toi. Non, sur elle. 12 questions sur elle. Ouais. D'accord. Je vais te poser les mêmes questions sur elle. Ouais, je vais devoir y répondre. Ouais, tu vois, on va... Et du coup, on va voir si tu la connais si bien que ça. Oh non. Parce que là, vous êtes là. Ouais, on se voit tous non, les mois. Machin, ouais. T'inquiète. Ouais. Ça va aller ? Ok. Mmh. Ok, attention. T'es prêt ? Mmh. D'après toi, quelle est sa couleur préférée ? T'inquiète, c'est pas grave, viens. Attends. Tu sais ce que tu veux. Non, mais je suis sûre, ça a tellement changé. Attention, parce changé. Que je suis capable de titrer. J'ai voulu lui dire, mais il m'a pas accepté la couleur que je lui ai dit. Non, parce du coup, que c'est j'ai pas dit couleur. Celle du passé, donc celle qui n'avait pas changé. Non, mais t'as qu'à carrément lui dire ce qu'elle a dit. Hein. Parce qu'en gros, je lui avais dit blanc, mais il m'a dit que blanc, c'était. Oui, mais non, moi aussi, j'aurais dit blanc par couleur. Contre. Ouais, non, mais, comment, mais c'est pas une couleur. Et du coup, je lui ai dit celle Attends. Que j'avais dans les kids, au moment des kids. Rose. Non. Non. Elle a dit. Elle a dit bleu clair. Ah oui, bah en vrai, oui. En vrai, bah, je suis nulle. Ok, bon, okay j'assume. C'est mon erreur, c'était la première. Son plat préféré. Est-ce que ça a changé ? Ça a changé ou pas ? Tu veux pas me donner d'un. C'est super compliqué, j'ai l'impression d'être ouais. bête. Attends, ah ouais, je vais te trouver. Mais non ! Même dans les kids, je vous saoulais avec ça, carrément. Ah ouais ? Et attends, juste pour revenir, le temps que tu réfléchisses, Grivali J'avais Gaming. J'avais lancé la bouteille, est-ce que vous vouliez aller au japonais à la place ? Grivali Gaming ? Tu te rappelles dans le taxi ? J'en ai plus assez. Attends, mais oui, mais non, mais. Ah si, pâte au pesto. Oui. Ouais.
Attends. Bonne réponse. Je reviens sur Grivali Gaming là. Ouais. Tu sais celui qui va faire oui, The Voice. Oui. Eh ben il le fait vraiment. Ah ouais. Et il va vraiment chanter, j'imagine. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Trop bien. Eh ben tu gagnes. Hein. Voilà, t'as pas le choix. Ah ouais, tu gagnes. Tu gagnes. Donc une bonne réponse. Sa boisson préférée. Sa boisson préférée. Ah ben. J'ai l'impression que c'est un piège. C'est pas une boisson. Une boisson chaude. Ah si, ah ben le café. Oui. Ok. Purée, elle prenait vraiment du café sur. oui, de non, ouf. Pendant la tournée. Mais moi j'en prenais pas. Pas pendant les. Non, c'est peut-être. Venu non, c'est venu vers la mais fin. Mais ils m'ont fait goûter sur les. Ouais, mais vers la fin, c'est elle a attaqué les cafés. Vers, quoi. Vers la fin, elle en goûtait, elle en goûtait de temps en temps. Elle dit, c'est bon le café, on dirait. Oh, laisse tomber. Il y a Emma Potonier qui pensait que c'était des sushis. Tout le monde joue, hein, parce que tout le monde a l'impression de te connaître. Ah ouais, t'aurais dit les sushis. Ouais, c'est vrai que j'aimais bien les sushis. Elle aimait les sushis. Son Disney préféré. Alors là, j'en ai aucune idée, mais je vais dire. Il y a Agathe Player après qui demande le skuskus. Oula. On communique dans. Le ouais. Bah, vous allez devoir y passer. Ah non. Elle fera pas le skuskus. Ben je sais pas, mais je dirais celui que j'aimerais trop qu'elle joue dedans. J'aimerais trop qu'il soit Réponse. Ah, c'est mon préféré en plus. Avoue qu'elle ressemble pas un peu à Réponse, genre. Avec ses longs cheveux là. Ouais, si, si, bah, style de ouf. Quand elle est bébé dans son berceau, quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, mais t'as raison, avec les grands yeux là. Bonne réponse. Ou alors elle fait la voix française. Ah là, ce serait énorme. Sa pointure. Sa pointure. Voilà, c'est à l'œil. Hein. Elle a peut-être grandi de pied un petit peu. Oh, elle était chouquette, hein. Je dirais, mais c'est pas énorme, donc je dirais peut-être. C'est pas énorme. 29, c'est... 26, je dirais entre 36 et 37, mais je vais dire 37. Ouais, 35, 36, tu l'as dit, c'est bon, allez, je prends. Son chanteur ou sa chanteuse préférée. Ariana Grande. Voilà. Évidemment. Mais ça, depuis tout le temps, en fait. Ah, tout le temps, ouais. C'est fou, hein. Mmh. Ça a jamais changé. Non, jamais. Non. Son film non. préféré. Ton film préféré. Je vois bien aimer les films de romance où après à la fin il y a un drame genre du style nos étoiles contraires, un truc comme ça. Non, 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 non. Mais là je fais supposition. Il réfléchit. Supposition. Ah, attendez, je suis dans le juste ou bien alors c'est rien à voir. Ah, t'es dans le vrai. Hein. C'est un film de romance. La série, j'aurais pas du tout hésité. T'aurais dit quoi sur la série? Gossip Girl. Oui. Ah ouais. Mais le film, c'est un vieux film. Ah, c'est un vieux film. Ouais, elle est pas dans non, le. Non, il est dur celui-là, il est dur. Ouais, très dur. Bon, c'est peut-être. Ah, c'est peut-être. Attends, un peu, j'en ai entendu parler. Non, Mean Girl, genre. Non. Un truc comme ça. Non. Bon, dernière chance. Bon, ah, j'ai une dernière chance. Ok. Ça fait tellement plaisir de vous voir les deux là. Les deux acteurs principaux. Ouais. C'est avec Julia Roberts et Hugh Grant. Ouais, bah là, t'as tout dit. Non, je trouverais pas. Ah ouais, il sait pas. C'est Coup de Foudre à Notting Hill. Ok, bon. Tu connais pas? J'aurais pas trop. Il faut que tu regardes. Hein. Faut que je regarde. Non, il faut regarder. Mais pourquoi t'aimes les romances comme ça? Tu es romantique? Parce que je trouve que dans les films, c'est tellement si peu réel, en fait, parce que ça... On s'imagine des choses, genre, waouh. C'est ça. En fait, ils nous font tellement rêver. Toi, tu t'imagines que quand tu vas rencontrer quelqu'un, bah, tout va se passer pour le mieux. Et que ça va se passer comme ça, genre, waouh, tout. Coup de foudre au premier regard. Ouais, c'est ça. Alors que, bah, tellement pas, finalement. Bah, si, peut-être un peu, hein, des fois. Non. Son livre préféré. Ah, oh, en plus, elle monte souvent ses livres, mais là, je vais avoir une énorme colle, je sais pas, mais si tu les montres souvent. Ouais. Tu les montres? Je les montre beaucoup. Quand même, dans tes stories, tu conseilles. Je conseille. Parfois, je me dis, putain, faudrait que je me lance, mais... Ah, t'es comme moi, tu lis pas plus que ça? Si, franchement. Ah, tu lis beaucoup. Mais en anglais, je lis les Game of Thrones. Mais alors, par contre... Là... C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok. Ah non. Ouais, c'est vrai que ça. Il va y avoir un film sur ce livre, normalement. Ah ouais, mais là, je sais pas du tout. Hein. Ah, bah alors. L'agenda Valentina, voilà. Acheté. C'est jamais plus. Je sais pas si tu connais. Non, tu connais pas. L'agenda Valentina. Mais il y en a déjà eu un agenda, non? Oui, il y en a eu plusieurs. T'as eu ton agenda? J'ai reçu dans ma boîte aux lettres. T'as eu tes agendas? Et toi aussi? J'ai reçu dans ma boîte aux lettres ces agendas. Bah. Mais non, moi j'ai pas eu mon agenda. Désolée. Oups. Purée, j'ai loupé mon année. Pourquoi j'ai pas eu l'agenda? Et il y a Ila, c'était cette année l'agenda. Purée, bah alors, et je prends des notes encore. Hein. T'en as pas un là à me donner? Ah bah purée, vas-y, il y a une rupture de stock en plus. Ils sont vraiment très beaux. Son plus gros malaise sur les Kids United, alors pas... Non, je peux pas le dire. Si, bah, elle a balancé. Malaise, je peux pas le dire. Ah,
C'est pas lui, mais c'est grave mon secret. C'était quoi celui-là? Non, mais... Ah, celui-là, c'est Secret Défense. Franchement, je pense pas qu'on peut. Il y a un Secret Défense autour du truc. C'était vraiment très drôle. C'était là. Purée, c'est horrible de passer à côté. Je me sens exclu. C'était quoi? Mais son plus gros malaise, il y en a un autre que ça. Je suis censée être au courant ou pas? En fait, c'était juste que vous passiez après. Vous passiez après. Et moi, je vous présentais. Les trois cafés gourmands. Ah oui, t'as oublié ton texte. Oui. Je sais plus ce qu'elle dit après. Elle a dit bon, allez. Mais ça parle de quoi, l'autre gros malaise, le vrai là? Parce qu'en fait, tout est caché. Non, c'est non. Non, mais j'ai le droit de gratter. C'est juste une question. C'est pour savoir. Oh ouais, c'est pas si chaud que ça. Parce que j'étais petite. Et... Oui, non, non. Elle a perdu ses chaussures. Non, mais je le dirai pas. Non, non, tu le diras pas. Juste, c'est pas non plus. Enfin, rassurez-vous, c'est... tu vois, j'ai. Indice, c'est juste arrivé à plusieurs répétitions. Ouais, c'était très souvent. C'était la fois de trop. On saura jamais, les gars. Bon, bah écoutez, la prochaine fois je vais gratter, vous inquiétez pas. Donc c'est une mauvaise réponse. Attends, c'est quoi? J'avais complètement oublié celui-là. Mince. Ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Ouais. Son numéro préféré. Numéro de quoi? Ah, bah son numéro, hein. Un numéro. Ah, un numéro, un chiffre. Ouais, un chiffre. Ça va jusqu'à éternel, genre? Non, 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 de 0 à 10. De 0 à 10. Bah 9. De 0 à 9. Ah oui, de 0, ouais, 0 à 9. De 0 à 9, je sais pas pourquoi, comme ça, je dirais 6. Oui. Oh mon Dieu, non, mais alors là. Non, mais elle te l'a soufflé. Non, alors, vraiment pas. Dis la vérité. Je te jure que c'est nul. Ok, dernière question, son animal préféré. Est-ce que c'est le même que dans le clip de La Tendresse ou pas? Non, ça... Je te dis pas. La Tendresse, c'était beau ça. Les animaux, qu'est-ce qu'ils étaient mignons. Oh là là, ils étaient choux là. Le perroquet. Le perroquet. Attends, ton... C'est quoi avec ce perroquet? Je sais pas. En fait, j'hésite entre... Si c'est le même que La Tendresse et le Lapin, si c'est pas ça, j'ai en vrai un petit chien. Imagine. On est dans le mood pas de patrouille, donc ouais, un chien. Oui. Ah bah oui. C'est qu'en plus, après, j'ai développé une allergie au lapin. Oh non. Allergique au lapin. Mais comment t'es allergique au lapin? Comment on peut être allergique à un lapin? En gros, j'ai caressé un lapin. Le lendemain, je me réveille, des plaques rouges de partout. Les punaises de lit. C'est que c'est ma nouvelle phobie. Ah non, vraiment. C'est ma nouvelle phobie, je rigole même pas. Vous savez quoi, je vais les laisser tous les deux. Les deux. Les punaises de lit. Ah, punaise de lit, ah ouais, faites gaffe. Hein. Attention. Hey, ici, il y en a deux, trois, hein. Faites gaffe. Hein. Faut bien les éviter, quoi. J'ai la phobie, ça me rend dingue. On sait pas où c'est dans un lit. Ah. Mais oui, tu sais que le soir, quand je m'endors, carrément, je me fais des fixettes. Je me dis, est-ce qu'elles sont là? Ou sont-elles, moi aussi? Eh bien, vous savez comment voir? Moi, j'en ai eu il y a très longtemps. J'ai déménagé. Hein. Ah ouais. En fait, tu prends ton matelas. Non, mais c'est horrible, ce truc. Tu prends ton matelas, là. Non, tu prends rien, tu le lèves pas. T'enlèves les draps. Et tu regardes si dans les coins, il y a des taches noires. Ah non! Je te jure, juste regarde. Ça, je me mets à vomir. S'il y a des taches noires... On fait ça. Vous l'avez fait? Nous, il faut... Non, mais c'est pas grave. Tu regardes. Et s'il y a des petits points noirs, ça veut dire qu'elles sont là, là. Moi, je veux. Vous payez pas le loyer, c'est que sortez vraiment, de chez moi. J'ai tellement peur de ça. Ah bah, en plus, ça te troue tous tes vêtements. Tu dois tout changer. Tout. Les plaques et tout. Enfin, non. C'est l'horreur. Et vous êtes un peu leur bec. Hein. Ils attendent la nuit. Ils attendent la nuit. Ils viennent te manger. Imagine, ils rentrent. Bon, ok. Bon, on était en train de parler des chiens. Pourquoi on parle de punaises de lit? Il va comme les autres, un insecte. Bon, on n'est pas très loin. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite phobie qui se crée en ce moment. Super. Alors, donc les chiens, les chiens, est-ce que tu as vu Valentina sur Pas de Patrouille? J'ai vu le premier Pas de Patrouille, mais j'attends d'avoir les places pour le deuxième. T'en avais pensé quoi? J'avais adoré, puis surtout, genre, c'est génial d'entendre la voix de Valentina sur le personnage de Lily. Tu l'as reconnu, franchement, direct? Bien sûr, direct. J'ai avec ma petite sœur, on a fait. Mais c'est Valentina le chien là. Dis-tu moi? Mais non, mais adorable. Mais tu transformes pas ta voix. T'as pas transformé ta voix. Juste, tu poses ta voix. Juste un petit peu. Tu sais, t'as beaucoup de sourires. Du coup, t'as une voix un petit peu plus enfant. Ouais, plus aiguë. Je pense, aiguë, ouais, plus aiguë. Mais sinon, c'est toi quoi. Mais sinon, c'est pas oui. Une transformation. Non. C'est ta voix et tu joues sur ta voix. Alors, on va faire les comptes. Vous êtes prêts? C'est pas beau. Hein. Oh, est-ce que j'ai eu beaucoup de points? Donc bleu clair, non. Pâte au pesto. Hein. Ouais. Café 2. Mm-hmm. Réponse 3. Pointure 4, Ariana Grande des 5. Après, c'est la cata. Hein. Oh. Et le malaise des kids. Bon, les 6, ouais, parce que il l'avait 6. Numéro préféré 7, animal 8. Il en fallait 7 pour considérer que vous êtes des bons amis. Ah, oh, on est des bons amis. Ah, vous êtes des bons amis.